Je ne peux plus supporter de rester coincé dans ces hameaux. Il faut que nous fassions quelque chose pour sortir d'ici. Après tout, cette dame pourrait bien changer à faire un effort, puisqu'elle s'adonne d'habitude à ces sortes d'activités. Avec toutes sortes de gens, tout plus aisés ou moins raffinés. Même avec les cochers. Oui, monsieur. Car mon mari en entend des choses avec son métier de négociant. Et je peux vous affirmer que même les palefreniers s'en donnent au cœur joie avec cette traînée. Madame, je vous en prie, sachez tout de même conserver votre sang-froid. Je consens à admettre que notre ami n'exerce pas la profession la plus respectable, disons. Mais nous ne pouvons tout de même pas décemment la forcer à satisfaire cet officier. En revanche, si nous savons utiliser de subtilité pour arriver à nos fins, cela serait bien plus accommodant pour nous tous. Vous avez raison. Veuillez bien excuser le comportement quelque peu cavalier de ma compagne. Je suis négociant. La parole est ma meilleure arme. Je suis avec vous. Qu'en dites-vous, Cornudet ? Faites comme bon vous semble. Je me contenterai d'une pente au coin du feu. Laissez, mon ami. Nous sommes au moins quatre dans l'affaire. Cela suffira. N'est-ce pas, ma chère ? Bien entendu, mon ami. Faites-moi confiance quand vous le ferez avec mon mari. Qu'en est-il pour vous, ma sœur ? Je ne me joindrai pas à cette entreprise, mais je ne m'y opposerai pas non plus. C'est entendu, alors. Ma chère enfant, venez donc vous asseoir à mes côtés. Je vous ai servi un verre de vin pour vous revigorer. Vous êtes-vous donc rendue ainsi, ma chère amie ? J'étais à l'église en face, à baptême. Oh, ravissant, racontez-nous donc. C'était merveilleux. D'abord, le prêtre est entré. Il a entamé un passage de la Bible. Et puis, on a fait monter l'enfant pour le baigner. C'était magnifique. Les vitraux reflétaient les lueurs du coucher du soleil. Les fidèles étaient attentifs. C'était merveilleux. C'est bon de prier des fois. Cela est bien vrai. C'est d'ailleurs par piété qu'on accomplit les actes les plus bénéfiques pour la société. N'est-ce pas ? Comme vous le dites, mon cher. N'aurait-on pas de nombreux exemples provenant de la Bible le confirmant, ma sœur ? Oui, en effet. Ne pourriez-vous pas nous enseigner plus en profondeur l'un de ces passages ? J'ai du mal à me rappeler celui qui traite de Judith et Holoferne, par exemple. Quand c'est innocent ? C'est que je connais mal l'Ancien Testament. Raison de plus pour s'abstenir. Mais il me semble me rappeler que... Que l'Ancien Testament n'est pas le plus plébiscité par les coups bénis ? Non, au contraire. Je me souviens parfaitement que Judith et Holoferne fut l'un des premiers passages que l'on m'enseigna. Je l'ai d'ailleurs parfaitement en mémoire. Laissez-moi vous le conter. Holoferne était un païen, envoyé par son roi pour conquérir l'Orient. Lorsqu'il arriva à Béthulie, les habitants de la ville allaient se rendre. Mais Judith, une jeune veuve, décida d'agir. Le soir, elle se rendit au camp d'Holoferne, l'enivra et le décapita. Judith sauva ainsi la ville et la foi juive des habitants. Il est vrai que cette femme a un pouvoir bien à elle contre lequel aucun homme ne peut se défendre. Et l'histoire nous en offre bien des exemples. Regardez par exemple Cléopâtre qui a conquis bon nombre de généreux ennemis à la faveur de l'Égypte. Comme vous avez raison, mon cher ami. Et quel exemple pour nos autres femmes que cette fantastique reine qui a su jouer de ses charmes autant qu'elle a su user de son intelligence. Et laissez-moi vous dire qu'elle n'a pas eu à forcer le destin pour le faire défiler dans sa couche. C'est ce qui manque à vous, les républicains. Il vous faudrait une femme comme celle-là. Malheureusement, les bonapartistes sont su s'en occuper avant vous. Ça y est. Comment, vous voulez dire qu'elle a consenti à faire la chose ? Comme je vous le dis. You're gonna...
Na 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 na